En contradiction, en contradiction avec la multiplication, en contradiction avec en contradiction avec la multiplication des missions affirmant que les ados mangent mal, qu'ils sont anorexiques, la multiplication des missions affirmant que les ados mangent mal, qu'ils sont anorexiques ou obèses, qu'ils sont anorexiques ou obèses. L'enquête Alimado démontre que chips, soda et barres chocolatées sont bien loin de résumer l'alimentation des 12-18 ans. Sont bien loin de résumer l'alimentation des 12-18 ans. Sont bien loin de résumer l'alimentation des 12-18 ans. Selon Nicoletta Diazio, anthropologue et maître de conférences à l'Université de Strasbourg, qui a participé à cette recherche, même parler de gastronomie adolescente. Anthropologue, anthropologue, maître de conférence, maître de conférence. En effet, s'il leur arrive de bouder le dîner quotidien servi à la hâte, s'il leur arrive de bouder, le, s'il leur arrive de bouder, le, s'il leur, le, si leur arrive de bouder le dîner quotidien, s'il leur arrive de bouder le dîner quotidien servi à la hâte. Ils apprécient les petits plats faits maison et mitonnés avec amour, mitonnés avec amour, mitonnés avec amour. Véronique Pardo, anthropologue et coordinatrice d'Alimado, anthropologue, anthropologue, coordinatrice, 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 observe que les grands-parents et surtout les grands-mères jouent un grand rôle dans la découverte des goûts et des mets. Joue un grand rôle dans la découverte rôle dans la découverte rôle dans la découverte Joue un grand rôle dans la découverte des goûts Joue un grand rôle dans la découverte des goûts et des mets. Les ados évoquent les ados évoquent en général les ados évoquent en général les repas les ados évoquent en général les repas qu'elles leur ont préparés avec beaucoup de plaisir de tendresse les repas qu'elles leur ont préparés avec beaucoup de plaisir, de tendresse et d'émotion. La figure de la grand-mère cristallise le bien-manger au, sens... bien au sens affectif du terme, affectif du terme, affectif du terme. La figure de la grand-mère cristallise le bien-manger au sens affectif du terme et non au sens nutritionnel et non au sens nutritionnel. Les adolescents sont par ailleurs souvent incollables sur ce qui est nutritionnellement correct. Les adolescents sont par ailleurs souvent incollables, 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 incollables sur ce qui est nutritionnellement correct, incollables sur ce qui est nutritionnellement correct. Christine Rodier, anthropologue, note qu'ils ont leurs propres critères sensoriels pour évaluer les aliments propres critères sensoriels pour évaluer les aliments qu'ils ont leurs propres critères sensoriels critères sensoriels leurs propres critères sensoriels pour évaluer les aliments pour évaluer les aliments la vue y joue un rôle primordial la vue y... la vue y joue un rôle la vue y joue un rôle primordial primordial L'assiette doit être belle à regarder, et ce qui est beau à voir est généralement perçu comme bon au goût et bon pour la santé. Et ce qui est beau à voir est généralement perçu comme est généralement perçu comme est généralement perçu comme est généralement perçu comme, généralement perçu comme, généralement perçu comme bon au goût et bon pour la santé. De façon générale, de façon générale, notamment pour les légumes et les produits laitiers, il valorise ils valorisent le frais, le cru et le croquant. Ils valorisent le frais, le cru qu'ils assimilent au saint et au pur. Qu'ils au saint et au pur. Caractéristique également de cette tranche d'âge. Caractéristique également de cette tranche d'âge. La manière et les lieux où l'on mange. S'ils savourent la blanquette de mamie. S'ils savourent. S'ils savourent. S'ils savourent. S'ils savourent la blanquette de mamie, ils apprécient autant le bol de céréales avalé dans la chambre. Ils apprécient autant le bol de céréales avalé dans la chambre ou le kebab sandwich turc acheté dans la rue. Pour Nicoletta Diazio, l'investissement par les jeunes de lieux publics, l'investissement par les jeunes, de lieux publics, rues, jardins, centres commerciaux constitue une affirmation d'autonomie ou de différenciation. Une affirmation d'autonomie ou de différenciation. L'investissement par les jeunes de lieux publics constitue une affirmation d'autonomie ou de différenciation. L'investissement par les jeunes de lieux publics constitue une affirmation d'autonomie ou de différenciation. L'investissement par les jeunes de lieux publics constitue une affirmation d'autonomie ou de différenciation ce qui est assis est pour vieux ce qui est assis est pour vieux ces pratiques alimentaires varient en fonction de l'âge ces pratiques alimentaires varient en fonction de l'âge ces pratiques alimentaires ces pratiques alimentaires ces pratiques alimentaires varient en fonction de l'âge ces pratiques varient en fonction de l'âge ces pratiques varient en fonction de l'âge ces pratiques varient en fonction de l'âge en fonction de l'âge, en fonction de l'âge, en fonction de l'âge, en fonction de l'âge. Ces pratiques alimentaires varient en fonction de l'âge. À 13-14 ans, on renâcle en général à prendre son petit déjeuner à table. On renâcle en général à prendre son petit déjeuner à table pour préférer des produits nomades, yaourt à boire, vieille noiseries, yaourt à boire, vieille noiseries, consommée sur le chemin du collège. Vers 18-19 ans, on revient à des petits déjeuners plus structurés. Comme tout apprentissage, l'éducation au goût et au bien manger, comme tout apprentissage, comme tout apprentissage, l'éducation au goût et au bien manger nécessite quelques petites régressions et transgressions. L'éducation au goût et au bien manger nécessite quelques petites régressions et transgressions. L'éducation au goût nécessite régression et transgression. Régression et transgression. Autant d'étapes nécessaires, nécessaires pour devenir un adulte parfaitement bien dans son assiette. Activité 6 En contradiction avec la multiplication des missions affirmant que les ados mangent mal, qu'ils sont anorexiques ou obèses, l'enquête Alimado démontre que chips, soda et barres chocolatées. Sont bien loin de résumer l'alimentation des 12-18 ans. Selon Nicoletta Diazio, anthropologue et maître de conférences à l'Université de Strasbourg, qui a participé à cette recherche, on peut même parler de gastronomie adolescente. En effet, s'il si leur arrive de bouder le dîner quotidien servi à la hâte, ils apprécient les petits plats faits maison et mitonnés avec amour. Véronique Pardot, anthropologue et coordinatrice d'Alimado, observe que les grands-parents, et surtout les grands-mères, jouent un grand rôle dans la découverte des goûts et des mets. Les ados évoquent en général les repas qu'elles leur ont préparés avec beaucoup de plaisir, de tendresse et d'émotion. La figure de la grand-mère cristallise le bien-manger au sens affectif du terme et non au sens nutritionnel. Les adolescents sont par ailleurs souvent incollables sur ce qui est nutritionnellement correct. Christine Rodier, anthropologue, note qu'ils ont leurs propres critères sensoriels pour évaluer les aliments. La vue y joue un rôle primordial. L'assiette doit être belle à regarder et ce qui est beau à voir est généralement perçu comme bon au goût et bon pour la santé de façon générale, notamment pour les légumes et les produits laitiers, ils valorisent le frais, le cru et le croquant qu'ils assimilent au sain et au pur. Caractéristique également de cette tranche d'âge, la manière et les lieux où l'on mange. S'ils savourent la blanquette de mamie, ils apprécient autant le bol de céréales avalé dans la chambre ou le kebab, sandwich turc, acheté dans la rue. Pour Nicoletta Diazio, l'investissement par les jeunes de lieux publics, rues, jardins, centres commerciaux, constitue une affirmation d'autonomie ou de différenciation, ce qui est assis et pour vieux. Ces pratiques alimentaires varient en fonction de l'âge. À 13-14 ans, on renacle en général à prendre son petit déjeuner à table pour préférer des produits nomades, yaourts à boire, vieilles noiseries, consommés sur le chemin du collège. Vers 18-19 ans, on revient à des petits déjeuners plus structurés. Comme tout apprentissage, l'éducation au goût et au bien-manger nécessite quelques petites régressions et transgressions, autant d'étapes nécessaires pour devenir un adulte parfaitement bien dans son assiette.